Je lui dis, non, là, Jonathan, tu vas beaucoup trop loin. Tu dépasses les borgnes. Alors tu prends ton Opinel, ton Becherel, ton Babybel, ton journal de classe, ton plumier, tu pars, tu vas dans le couloir, à l'étude, chez le directeur, aux toilettes, je ne veux plus te voir. Vous allez me couper ce tintamarre infernal et me foutre le camp, hein, bon de petit gamin de merde. C'est incroyable, je voulais 5 minutes tout seul en classe et ça fout le bordel, hein. Bien sûr que j'ai reconnu la chanson « J'étais jeune avant vous, hein, pour qui me prenez-vous » C'est « Superstition » de Stevie Wonder. Comment, oui, Stevie Wonder, hein? Je ne parle pas l'anglais, hein, monsieur, je fais le malin parce que je suis en immersion. Bon, alors comme chaque début d'année scolaire, vous déballez vos affaires dans le calme et le respect et surtout, on ferme son clapet. Ah, je n'en peux plus, je n'en peux plus. On a recommencé depuis une semaine et je suis déjà au bord du pré-burnout. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait rire, toi? Tu vas fermer ta gueule de petit crétin ou je te lance un frotteur dans ta gueule de gamin de merde? Puis qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Je peux savoir qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Tu te crois où, à Halloween? Là, tout ça, c'est dans 6 semaines. Je le sais, je décompte les jours. Bon, alors comme c'est le début de l'année, on va faire comme chaque fois. Vous sortez une petite nominette, vous indiquez votre nom, prénom, nom de la mère, nom du père si vous le connaissez, parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus jamais sûr. Société moderne, ouverture d'esprit. Oh oui, ils ont l'air ouverts comme ça, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, surtout une bande de petits crétins, hein? À force de rénover l'enseignement, ben, ils ne savent même plus écrire leur prénom correctement. La semaine dernière, je donnais cours, j'avais les 4e grecs soudures. Je leur demande d'écrire nom, prénom. Je ramasse les nominettes. Il m'en avait un qui m'avait inscrit nom Willy. Je fais, mais qu'est-ce qui a été écrit nom Willy? Ben, c'est vous, madame, qui avez demandé de mettre nom puis prénom. Oui, mais nom N-O-M, hein, pas nom N-O-N, hein. C'est quoi ton nom N-O-M? De Meyer. Eh ben, tu le rajoutes, De Meyer Willy. Alors, celui-là, je sais pas ce qu'il deviendra plus tard, mais ce sera certainement pas bourgmestre de Liège, parce que c'est pas une lumière, hein. Ah non, mais c'est un métier où t'envoies quand même des drôles, hein. Vendredi dernier, je devais donner cours de néerlandais. Au 4e latin bois, cette fois-ci, c'était pas facile. Ils m'ont collé 2 heures de néerlandais à moi, hein. Vous rendez compte? Je ne baragouine pas un mot de cette langue infecte. En plus, 1 heure à 8h30, 1 heure à 14h30, 4 heures de fourche entre les deux, je me demande qui fait les horaires. Je parie que c'est mon mari. Enfin, soit, je donne cours de néerlandais, je m'en fous, je sais pas le parler, mais je ne fais que dédicter, hein. J'ai le livre, il me suffit de lire. « Nemen potlood en blad papiertje », ça je sais dire, et on fait dédicter. « De papegaai magvillawaai ». De papegaai magvillawaai, vachement utile, hein, comme phrase, ça veut dire « le perroquet fait beaucoup de bruit ». Tu l'utilises dans la vie de tous les jours. Imagine, t'as un flamand qui se perd à Liège, il faut déjà que ça arrive. En plus, il tombe sur moi. Excusez, me vrai ou canic na red station hyan, t'as de papegaai magvillawaai, et celle-là. N'a pas à se tromper. Enfin, soit. À un moment donné, j'avais l'idée de leur faire écouter une petite chanson d'Helmut Lotti. Je me dis, ce serait une manière ludique de les intéresser, penses-tu? À peine que j'ai le dos tourné et que je mets la cassette dans musicassette que j'entends dans mon dos qu'on me traite de pute, quoi. Je me retourne et qu'est-ce que je vois? Je vois Jonathan le mâle qui, sur son banc, avait sorti un couteau à cran d'arrêt comme ça, quoi. Enfin, comme ça. Je lui dis, non, là, Jonathan, tu vas beaucoup trop loin. Tu dépasses les borgnes. Alors tu prends ton Opinel, ton Becherel, ton Babybel, ton journal de classe, ton plumier, tu pars, tu vas dans le couloir, à l'étude, chez le directeur, aux toilettes, je ne veux plus te voir. Là-dessus, j'arrive ici à la salle des profs et on me dit que la machine à café va plus. Mais c'en est trop, hein. Qu'est-ce qu'on va nous annoncer fin de journée? Qu'on nous supprime 2 jours à la Toussaint?
Jonathan, je sors de la salle des profs, moi, ici. Je viens de voir Madame Laroche-Dubois. Elle me dit que t'as amené un couteau. C'est vrai, ça? Je peux voir le couteau. Garnement. Alors écoute bien, parce que pour tout ce qui est faire le con, là, t'es le premier, mais pour la physique, là, c'est moins ton four, hein? Alors écoute. Sachant que le couteau pèse 432 grammes, que le mur du fond de la classe se trouve à 5,80 m, que je vais lancer le couteau avec une vitesse de 340 mètres par seconde, une accélération de 150 mètres par seconde au carré, qu'il est exactement 13h43 minutes et 44 secondes, que je chausse du 43,5, que j'ai arrêté de fumer la semaine dernière, que la machine à café ne va plus et que je suis énervé, en combien de temps, heures, minutes, secondes, le couteau percutera-t-il le fond de la classe? Moins quart? Ben non, hein! Ah! Oh! Excuse-moi, Jérémy, j'ai dû me tromper dans les calculs. Cela est juste et bon, te rendre grâce, mon Seigneur. Jonathan, je viens de croiser Monsieur Le Swan au détour d'un couloir et il m'a confié que tu aurais emmené avec toi un couteau. Je puis voir ce couteau? Tu sais qu'il fait référence au sacrifice d'Abraham. Pour ta gouverne, c'est Dieu lui-même qui demande à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac, mais au moment où Abraham a brandi l'arme vers le corps de son fils, un peu comme tu viens de le faire à l'instant avec ton voisin, l'ange de l'Éternel apparut pour lui demander d'arrêter, comme je te demande de le faire, car il vit qu'Abraham craignait Dieu. Un peu comme tu dois me craindre. Range ce couteau. Tu dois me craindre, mais je sais être très tendre. Brebis galeuse. Tu devrais prendre exemple sur Pascal. Ça, c'est mon petit agneau. Oh oui, ça, c'est mon... Jonathan, arrête un peu de faire le con et descends un peu des espaliers. C'est tous les cours de gym, c'est comme ça. Allez, viens là. Mais c'est vrai ce qu'on raconte depuis ce matin? T'es venu à l'école avec un couteau? C'est vrai? Bien, bravo, félicite Jonathan. Moi, j'aime bien qu'on vienne avec des initiatives au cours de gym. Ça va me permettre de pouvoir vous faire un petit cours sur comment on manie le couteau. Alors, tout d'abord, échauffement, un peu comme ceci avec les mains, un peu comme ceci avec la tête. Voilà, terminé pour l'échauffement. Ensuite, on ferme un œil qui n'est pas le même que celui qui tient le couteau. On opère un long mouvement circulaire et on lâche le couteau. Monsieur le directeur, pas passé quand je fais un cours sur le lancer de couteau, hein, évidemment. Qui mec, t'es celui-là, Tiff? Oh, il est arrangé, en plus, hein? Bon, écoutez, leçon suivante, comment est-ce qu'on fait un garrot? Jonathan, sors du prio, je sais que t'es la grande. Je sais que t'es là, je te cherche partout, puis ce matin, je ne te trouve pas. Non, ça n'a rien à voir avec les cheveux, non. T'as quelque chose à te reprocher, mon grand? Si, t'as quelque chose à te reprocher. Et tu sais très bien ce que t'as à te reprocher. T'es venu à l'école avec un couteau, toi. Mais t'es fou. Mais t'es fou. Encore une fois, mais t'es fou. Tu sais que tu pourrais blesser quelqu'un. Il y a déjà le directeur qui est à l'infirmerie. Son garrot n'a pas tenu. Non, tu vas beaucoup trop loin, mon grand. Non, alors là, c'est même du ressort de la police. Alors je sais que j'ai l'habitude de faire copain-copain avec vous et tout ça. Mais là, ton journal de classe. Allez. Oui, je sais que je ne punis pas facilement. Mais alors là, qu'est-ce que je vais te mettre, Thérèse? 2 heures de retenue. Voilà, c'est le tarif quand on vient à l'école avec son couteau. Ça va, tout le monde est prêt? On peut enfin démarrer le cours de cuisine sur la découpe de la volaille? Allez, tout le monde sort son couteau! Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Tu ne sors pas ton couteau? Toi, tu n'as pas envie? Comment? C'est l'éducateur qui te l'a confisqué? En 20 ans, il ne m'a jamais donné une excuse aussi pourrie! Non, alors je sais bien que je ne punis pas facilement, que j'ai tendance à faire copain-copain, tout ça, mais là, tu vas trop loin, ton journal de classe!
Qu'est-ce que je vais te mettre, moi? 2 heures de retenue, et je suis gentil, c'est le tarif quand on vient à l'école sans son couteau.